Eh bien, salut à tous, c'est Chef Hero et on se retrouve pour l'épisode 3 de Super Mario 64. Alors aujourd'hui, je suis tout seul, donc je ne suis pas en compagnie de quelqu'un et je pense que durant ce let's play, je ferai un épisode seul et un épisode accompagné parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se proposer et je trouvais que ça pourrait être très original. Donc on va directement commencer dans un niveau de Forteresse Swamp. Shoot Into the Wild Blue. Alors Wild, c'est quoi? C'est la Wild Blue. Ce serait pas. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Wild Blue. Bon. Wild, attendez. Sachant que je. Attendez, là je me réfère à Zelda Breath of the Wild. Oui, donc c'est Wild. C'est l'appel de la nature, un truc comme ça, je pense. Et du coup, ça voudrait dire nature? Je sais pas. Peut-être que c'est ici. Je sais pas. Ici, on n'a pas encore été, hein. Ah, tiens, une bombe. Donc, on va pouvoir activer un canon normalement. Ok, donc c'est génial. Tiens, ce serait pas. Oh, je pense savoir. Je pense avoir compris la mission. Je pense qu'il faut rentrer dans le canot. Et. Ah, oui, je me souviens de ça. Il m'en a fallu du temps pour l'obtenir, cette étoile. Mais en gros, il faut shooter ça. Ouais, là je l'ai mal fait. Mais si j'avais fait un peu plus haut, j'aurais réussi sûrement. Et on gagne une étoile si on fait ça, je pense, si j'ai bien compris. Enfin, je pense que c'est cette mission-là. C'est peut-être une autre, j'en sais rien, mais ça paraît être ça. Voilà. Bon, par contre, j'ai perdu des dégâts. Par contre, j'en ai eu qu'un, il faut avoir les deux. Parce que là, il y a une petite musique, mais attendez. Ah ok, il y a une étoile là-bas, parfait. Ok, non, c'est complètement foiré. Bon, tant pis. On va aller par ici. On va monter par là. En plus, on n'est pas non plus monté par ici, encore une fois. Voilà, c'est bon. Bon, par contre, la plante, on va la laisser. On va vite se dépêcher ici. Elle est où l'étoile? Ah d'accord, elle est juste ici, en fait. Ah donc, en fait, l'étoile, elle était carrément cachée dans le truc, ok. Ah parfait, ça fait une mission terminée, c'était assez rapide. Ok, donc on gagne une seconde étoile, c'est bien. On va sauvegarder, hein. Qu'est-ce que ça disait? J'ai pas. Ah, vous croyez qu'on peut aller faire le boss? Attendez. Je pense qu'on peut aller faire le boss, hein. Non, c'était 12 étoiles qu'il fallait. Alors, donc, ouais. La porte est ouverte. Ah, déjà! Ah d'accord, on peut déjà aller faire le boss. Bah écoutez, on va. Je pensais que c'était 12 étoiles. Non, c'est sur la version DS, 12 étoiles, ok. Eh ben écoutez, on va y aller. Parce que moi je savais pas. Vous avez vu la surprise. Pour ceux qui connaissaient pas le jeu, bah voilà. Maintenant vous savez. Enfin vous connaissez cette petite surprise. Et juste une question. Enfin une question. J'ai quelque chose à vous demander. C'est d'écouter cette musique que je trouve magnifique. Et d'ailleurs, elle est tellement bien qu'ils l'ont reprise dans Mario Galaxy et j'étais super content qu'ils la reprennent. Parce qu'elle est vraiment cool cette musique. Bon, par contre, là on l'entend plus trop parce que j'ai activé un interrupteur. Mais elle est vraiment super géniale. C'est une de mes musiques préférées dans les Mario. En tout cas, dans celui-ci, elle fait partie de mon top 3, je dirais. Mais cette musique, je l'adore, mais il y a aussi la musique. Vous voyez, avec les bateaux et tout le niveau qu'on a fait avec Nivola. Cette musique-là, elle est aussi excellente. Mais celle-ci, franchement, pour l'époque, à mon avis, ça devait être très épique comme musique. Attention, faut pas toucher ces trucs-là parce que c'est électrique et voilà, c'est pas très gai quand on se fait électrifier. Ok, oh non. Bon, là, il faut attendre. Ouh, j'ai cru que j'allais me faire écraser ou alors que j'allais tomber plutôt. Qu'est-ce qu'il y a là? D'accord, des pièces. Bon, c'est un petit peu inutile puisque j'ai pas perdu de vie. Et que je compte pas ramasser les 100 pièces pour avoir l'étoile de ce niveau. Est-ce qu'on peut avoir des étoiles dans les niveaux comme ça? Je me demande. En attrapant 100 pièces, hein, bien sûr. Écoutez, on va aller par ici pour visiter. Oula, c'est quoi ce bruit? Vous avez entendu un bruit bizarre, vous? Parce que moi, oui. Mais bon, tant pis. Ok, encore un champignon one up. Donc c'est vraiment cool des vies comme ça. Par contre, ici, il faut faire attention à ne pas tomber. Ok, c'est bon. Mais le pire, c'était avec le stick de la Nintendo 64. Hein.
Je pense que les vrais joueurs, enfin les joueurs de Super Mario 64 sur N64 s'en souviendront de cette maniabilité qui était un petit peu compliquée. Enfin pour ma part. Ah d'accord, c'est déjà la fin du niveau. Ok, donc on va affronter le boss qui est, vous l'aurez certainement deviné, Bowser. Ok, donc malheureusement, faut passer le dialogue. Alors, ce combat, il n'est pas très difficile. C'est le premier en même temps. Donc voilà, donc Bowser, il est vraiment mou, il est très lent. Et il faut, en gros, il faut... Mince, je me suis trompé de bouton. Enfin non, je pense pas. Non, c'est le bouton A. En gros, il faut attraper sa queue. Et il faut tourner. Comme ça, pour l'envoyer sur l'un des pics. Non, mince, je me suis trompé de bouton. Par contre, il n'y a pas moyen de centrer la caméra. Parce que là, j'en aurais peut-être besoin. Ah oui, comme ça. C'est bien. Par contre, si on reste trop longtemps sans bouger, bah oui, à un moment, il va se libérer. Mais en gros, il faut l'envoyer sur des boules piquantes que vous voyez là-bas. Et ça, quand j'étais petit, j'y galérais. Donc, on va essayer de le balancer de loin. Ou alors, on peut faire de près. Ok, mince, je me suis foiré. Mais en gros, ouais. Vu que là, il va réapparaître pas si loin. Ouais, ok, nickel. Donc, on va essayer de le choper là. Ok, parfait. Et là, on va l'envoyer. Mince, qu'est-ce que je fous? Ok, parfait. Comme ça, c'est un bon angle, je dirais. Ouais, plutôt comme ça. Quoique, c'est peut-être mieux comme ça. Oh merde. Je suis vraiment nul, hein. Allez, viens. Non, ouh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait plusieurs sauts? Ouais, tant pis, ça sert à rien. Ça a rien changé. Ah, ok, c'est bon. Bon, c'est pas bien compliqué. C'est plutôt moi qui galère pour pas grand chose en fait. Et ça sert à rien de le faire tourner plein de fois comme je l'avais fait. Comme ça suffisait amplement. Bon. Bon, bah, il est déjà éliminé. Donc voilà. On a obtenu la super étoile. Pour vous rassurer, ce n'est pas la fin totale de Bowser. Hein. Il a pas donné tout ce qu'il avait. Donc voilà, nous avons une clé. Donc c'est vraiment cool. Et cette clé spéciale permettra d'ouvrir une porte qu'on ne pouvait pas. Enfin, un endroit qu'on ne pouvait pas accéder avant. Donc, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours pas fait tous les mondes du premier. Allez. Du premier endroit, on va dire. Parce que ici, c'est la première zone du jeu. Et puis après, là, on pourra aller dans la deuxième grande zone du jeu. Donc, là, ça n'a pris que 10 minutes. Donc, ok, c'est cool. On a déjà fait les bateaux, donc voilà. Je vous ai montré au moins une étoile de chaque niveau, sauf de ce monde. Non, pas ici, pas ici. C'est pas du tout ici que je veux aller. Sauf de ce monde-là. Ici, je vous ai pas montré. Je vous ai jamais montré ce monde, hein, c'est vrai. Donc c'est la première fois qu'on va y aller. Donc c'est un monde de neige qui est très très sympathique. Alors, slip sliding away. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Peut-être qu'il faut faire la course. Ok, donc il faut rentrer. Il faut aller dans la cheminée en gros, si j'ai bien compris. Et il faut faire le parcours, d'accord. Donc voilà, on va pas explorer le niveau pour le moment. Hein, on va le faire une autre fois. Ok, c'est parfait. Donc il faut juste faire le parcours. Ah non, il faut pas faire la course en fait. C'est juste réussir le parcours. C'est juste le seul objectif. Oula. Ouh là, qu'est-ce qui me prend? Mais je suis vraiment nul, hein. Comment j'ai fait pour me foirer? Mais même quand j'étais petit, j'étais pas très fort à ce truc-là. Mais là, quand même, mourir dès le début, il me semblait que j'étais plus doué. Mais c'est peut-être parce que j'ai perdu l'habitude avec ces touches sur Wii U. Enfin, avec le stick sur Wii U, pourtant, c'est plus facile. Mais enfin, je sais pas, c'est peut-être moins adapté. J'en sais rien, ce qui pourrait être probable. Ah, du coup, on va recommencer, on va attraper la pièce bleue. Même si c'est vrai qu'en y repensant, ça sert à rien. C'est pas grave. Non, voilà, il me semble bien. Donc, en gros, ça sert à rien de sauter pour ramasser les pièces, hein, puisque ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que c'est de la triche si on prend ce raccourci qui est juste ici? Voilà, donc ici, il y a un raccourci. Pour ceux qui ne le savaient pas. Ah, ça. Il y a eu un petit bruitage positif. Donc, je pense que c'était pas mauvais de prendre ce chemin-là. Oula. Par contre, là, si j'étais tombé, j'aurais été mal. Ah, en fait, justement, c'est ce chemin-là qu'il fallait prendre. Ah non, non, c'est juste pour un champignon, en fait. Ok. Mais c'est cool quand même.
Bon, bah maintenant qu'on a fini, il faut sortir. Ah. Ah, il me semblait bien qu'il allait avoir une étoile. Donc en gros, on pourra plus rentrer maintenant. C'est triste. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh, il y a une maman pingouin qui cherche son petit. Donc en gros, elle demande où est son bébé. Et son bébé, il est tout au-dessus. Donc il y aura une mission, il faudra le ramener en bas. Ouh là, le loup, ne tombe pas, s'il te plaît. Ok, c'est cool, on a obtenu une nouvelle étoile. Et puis je pense qu'on va... On va se refaire une étoile, pourquoi pas dans le monde des bateaux? Tiens, c'est vrai que ça pourrait être bien ça. Retourner dans le monde des bateaux et puis je pense qu'on va se laisser. Parce que... Ouais, franchement, ça passe vite, moi, ce que j'ai fait. Ça passe plutôt vite, donc ouais, on va faire une mission dans... comment ça s'appelle déjà? Je pense que c'est la baie des pirates. Ou elle, non, je pense pas, je sais plus. Bah écoutez, je vais essayer de traduire. Si c'est possible. Can the eel come out to play? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je vois pas du tout c'est quoi la mission, mais bon. On va essayer de se démerder. Donc ici, il n'y a toujours pas de... Non, il n'y a pas de carapace. Il me semblait qu'il y avait une carapace ici. Bah bon. Je sais pas. Bah c'est peut-être dans mon imagination, mais il me semblait que oui. Ah tiens, il y a une boum boum rose, on va lui demander d'activer le canon, tiens. Tant qu'on y est. Parce qu'il y a un canon qui n'est pas très loin d'ici. Bah d'ailleurs, je pense que j'aurais pu vous le montrer, mais je ne l'ai pas fait. Bon, on va monter ici. Voilà. Alors, parle-moi. Mais pourquoi j'y arrive pas? Ah, quand même. Ok, donc il a préparé un canon pour nous. Ouais, pas besoin de vous le montrer. En fait, le canon, il est juste là. Et ça servira pour une mission. Mais bon, là, je pense pas que c'est le but de celle-ci, en tout cas. Mais bref. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer. Parce que... Il y a quelque chose de logique. Puisque... Ouais, maintenant, vous avez vu la réponse. Puisque on a activé... pardon, on a enlevé l'eau du bateau. Et ben maintenant, il ne coule plus, ce qui est logique. Bon, on va passer comme ça par ici, voilà. Et puis comme ça, voilà. Ouh là, ça fait mal ce truc. Ouais, pas autant mal que ce que j'imaginais. Ouais, par contre, il n'y a rien à faire ici, je pense. Ouh là, bon, ok, j'ai récupéré une pièce rouge, c'est cool, mais... Non, ici, il n'y avait vraiment rien à faire. Bon, bah du coup, on va faire la mission avec le canon. C'est pas un monde qui est très très vaste hein, quand on y repense. Mais en même temps, les mondes de ce jeu sont pas très vastes hein, quand tous les mondes de ce jeu sont pas très vastes. Enfin, je veux dire, il y a plus grand quoi, ça va. Ah, c'est vrai que c'est pratique. Quand on va dans l'eau, pas besoin de récupérer de pièces, ça nous fait récupérer notre énergie qu'on a perdue. Par contre, j'ai fait tomber mon micro, donc voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Ok, donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le canon. Et je vais faire une mission qui est assez difficile, je trouve. Enfin, d'après mes souvenirs. C'est en gros. Il faut aller. Il faut aller où? Je ne vois pas l'endroit en fait. Donc déjà, c'est pas possible. Mais franchement, vous trouvez pas cet endroit magnifique? Moi, je le trouve vraiment. Bah, magnifique justement. Ah ok, c'est bon, vous pouvez voir une plateforme là-bas, on va essayer d'y aller. Donc elle est pas très très visible. Et je pense pas que je vais y arriver, je vais peut-être aller plus haut. Ouh, trop, ouais, trop bas. Enfin je veux dire, j'ai peut-être été, non pas assez haut justement. Bah, du coup on va recommencer ça. Je sais pas si c'est vraiment ça la mission, mais on va essayer d'y arriver quand même. Et puis, c'est cette musique dont je vous parlais tout à l'heure, que je trouvais magnifique. C'est une de mes préférées de Mario tout court en fait. Je sais pas, elle me détend. C'est vraiment une très belle musique. Ok, du coup cette fois-ci on va aller un petit peu plus haut et peut-être un peu plus comme ça, voilà. Pas trop non plus, je pense que comme ça devrait le faire. Oh non, non, clairement trop haut. J'ai été beaucoup trop haut, donc il faudra aller plus bas. Ah, ça va être compliqué, hein. De toute façon, même quand j'étais petit, j'avais du mal avec cette mission.
Mais heureusement qu'il y a cette petite musique pour nous distraire en attendant de faire le petit retour au canon. Heureusement qu'elle est là, hein, cette musique, mais bon, ça je l'ai déjà dit. Ce jeu est vraiment magnifique en fait. Je suis vraiment content de vous le faire en let's play parce que je prends pas vraiment beaucoup de mal. Bon, là, si, un petit peu, mais. Voilà, c'est un jeu que je connais et c'est vraiment cool en fait de vous le faire en let's play. Ah, est-ce que c'est possible, franchement? Ouais, donc là en fait j'ai été trop haut encore une fois je pense. Mais j'étais pas assez à gauche. Donc il faudra que j'aille un petit peu plus à gauche. Bon bah comme j'y arrive pas, je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Donc voilà, désolé de vous laisser là maintenant. Mais il faut que j'y aille, je suis pressé en fait. Bon, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, tout ce qui va avec. Et je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine, salut.